Bonjour, bonsoir, sœurs et frères africaines, africains, particulièrement les africaines et africains de l'Afrique francophone. Je fais ce direct parce que l'heure est grave. L'heure est grave. La situation au Tchad requiert notre attention particulière. En effet, la France coloniale, la France a validé quasiment un coup d'État militaire. La France du président Emmanuel Macron a validé le coup d'État militaire perpétré par le fils d'Idriss Déby, Mohamedou Idriss Déby Inno, au Tchad. Ce qui est inadmissible. Ce qui est inadmissible. La France valide ainsi un projet français qui a pour but d'instaurer des monarchies en Afrique francophone. Cela avait commencé par le Togo, avec Faure Gnassingbé, qui jusqu'aujourd'hui est au pouvoir. Faure Gnassingbé, qui avait hérité, il faut le dire, du pouvoir de son père, Gnassingbé Eyadema. Par la suite, nous avons eu Ali Bongo du Gabon, qui a hérité, il faut le dire clairement, hérité du pouvoir de son père. Il a hérité du pouvoir de son père, le pouvoir de son père, Omar Bongo, Ondimba. Vous voyez, très chers sœurs et frères africains, qu'ils sont en train de développer un système de monarchie en Afrique, alors même que les pays africains sont issus de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Les pays africains sont en réalité un mélange de peuples distincts. Il faut le dire clairement. Les pays africains sont un mélange de peuples distincts. C'est pour ça que lorsqu'on est au Cameroun, à Kousseri, on retrouve les mêmes peuples à N'Djamena. C'est pour ça que lorsqu'on est au Cameroun, lorsqu'on se retrouve dans le sud du Cameroun, à Kiyosi, on retrouve des mêmes peuples en Guinée équatoriale et au Gabon. Ils ont divisé l'Afrique lors de la conférence de Berlin. Et cette division de l'Afrique est à l'origine de tous les problèmes de l'Afrique. Je précise, cette division de l'Afrique est à l'origine de tous les problèmes actuels de l'Afrique. Il y a un problème de tribus, d'ennemis. Ceux qui prennent le pouvoir dans tous ces pays africains s'appuient sur leur ethnie pour diriger. Ça, c'est à Berlin que ce problème a été créé. 1884, les Allemands parlent de Congo Conference, dit Congo Conference von Berlin. De 1884, novembre 1884 à février 1885. Il y avait là le chancelier allemand Bismarck. C'est lui qui recevait les autres pays européens avec comme collaborateur particulier Jules Ferry, le français.
Voilà d'où partent les problèmes africains. La division de l'Afrique. Et la France, depuis, s'est jurée d'exploiter l'Afrique jusqu'à ce que l'Afrique même disparaisse. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Les peuples africains ont aidé la France à se libérer de l'Allemagne. Il faut le dire clairement. Les pays africains, les peuples africains ont aidé la France à se libérer de l'Allemagne. Mais, comme récompense, la France a même massacré des soldats sénégalais, ceux qu'ils appelaient les tirailleurs sénégalais. Comme récompense, la France a refusé de donner aux pays africains de leur accorder l'indépendance. La France a donc décidé d'accorder aux pays africains des pseudo-indépendances. Le Cameroun, le Togo, pour ne parler que de ces deux pays qui ne sont en réalité pas, qui n'ont jamais été des colonies françaises, mais qui se sont retrouvés sous la tutelle française après la Première Guerre mondiale. Ces deux pays-là se sont retrouvés être considérés par la France comme leur colonie. Comme des colonies. La France a donc mis tout en œuvre afin d'empêcher que les nationalistes de ces différents pays, de tous les pays de l'Afrique francophone, ne puissent avoir accès au pouvoir. Le seul pays, l'un des rares pays de l'Afrique francophone, à avoir décidé de renoncer, véritablement à la France, la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Ce pays-là a été victime des coups tordus de la France. La France a mis tout en œuvre afin que rien n'avance dans ce pays qui avait choisi véritablement son indépendance. Oui, il faut le dire, peuple africain, nous avons été trahis par les pseudo-leaders fabriqués par la France dans les années 50 et 60. Les pseudo-leaders africains. Nous avons été trahis par ces pseudo-leaders. De la même façon que cette même France a fabriqué de faux dirigeants. Yalema Niasimbe, qui a créé une monarchie au Togo, avec son fils qui continue de régner aujourd'hui, Faure Niasimbe. On a vu le cas maintenant, du Tchad, avec Idriss Déby, dont le fils continue, dont le fils a récupéré le pouvoir avec la bénédiction française. Il y a le cas du Gabon, où le fils, il faut le dire, on est même en Afrique centrale maintenant, le cas du Gabon où le fils Ali Bongo a récupéré le pouvoir. Et où le fils d'Ali Bongo est préparé pour prendre le pouvoir après Ali Bongo. Donc une véritable monarchie. On a le cas du Congo Brazzaville avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso qui pourtant à une époque avait perdu le pouvoir au Congo Brazzaville, mais est revenu par la force mettre Pascal Issouba de côté. Tout ça avec le soutien de la France. Donc j'appelle là tous les pays africains, particulièrement francophones. Je parle des peuples de ces pays-là à se lever comme un seul homme. Je tiens à dire ici que la seule solution pour empêcher la France, de continuer de fabriquer des tyrannies en Afrique, de soutenir des tyrannies en Afrique,
d'entretenir les tyrannies africaines, c'est de s'associer. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble contre la tyrannie française, parce qu'il est question de la tyrannie française. Tous ces tyrans africains ne sont que des sous-préfets français. Il est question de la tyrannie française. Il est question qu'on comprenne ceci définitivement. Nous ne sommes pas indépendants, car ceux qui nous dirigent sont des préfets français et nous devons nous lever comme un seul homme pour mettre un terme à cela. J'invite donc tous les panafricains, j'invite donc toutes nos sœurs, tous nos frères africains, africains, à se lever comme un seul homme afin de dire stop, stop au non-respect, au non-respect des peuples africains par la France. Car la France, à travers les tyrans qu'elle fabrique en Afrique, ne respecte pas les peuples africains. Nous demandons ceci. Nous devons revendiquer ceci dans de grandes manifestations à Paris, en France, partout en France, devant toutes les ambassades françaises du monde. Nous devons revendiquer pour tous les pays d'Afrique francophone une réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux de tous ces pays-là. Ça veut dire, première des choses, réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux de tous les pays francophones. Ça, c'est la première des choses que nous devons revendiquer, afin que les peuples africains de tous ces pays africains, de tous ces pays francophones, puissent effectivement, en toute liberté, choisir leurs dirigeants. Nous revendiquons cela. Et il faut le dire clairement, les tyrans africains ne veulent pas de cette réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux des pays de l'Afrique francophone. La France ne veut pas de cela parce qu'elle sait que c'est elle qui manipule les tyrans africains. Nous devons manifester, nous devons revendiquer cela. Donc, c'est le premier point, réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux africains. Nous devons demander également, il faut que le monde entier prenne acte de cela. Nous devons demander également la disparition pure et simple du franc CFA. Nous devons demander notre autonomie monétaire. Ça veut dire quoi? Réforme consensuelle du système électoral, disparition du franc CFA. Les pays de l'Afrique francophone ont le droit d'avoir leur propre monnaie. Voilà les deux points qui doivent être la base de nos revendications. Abolition du franc CFA, pas seulement au niveau de son nom, mais de son contenu. Abolition totale du franc CFA. Réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux en Afrique francophone. Car sans les élections transparentes, l'Afrique francophone sera toujours victime. Elle sera toujours victime de situations difficiles, de troubles, de crises post-électorales. C'est de ça qu'il était question dans ce message que j'avais pour vous. Je vous remercie.